Democratic Republic of Congo. His Excellency Joseph Kabila Kabange, President of the Democratic Republic of the Congo. Tout comme le soleil se lève avec éclat chaque matin. Comprenez mon émotion. Aujourd'hui, à 9h30, je remis officiellement cette invitation du président Mandela au président Mobutu. Il a accepté le principe de cette invitation de rencontrer M. Roland Désiré Kabila. Mais les détails pratiques des modalités devant fixer. Rencontre comme un transfert de pouvoir au lieu de négociation. Nous avons vu dans ce pays, dans ce continent africain, des chefs d'État qui ont perdu des élections. Sassou Nguesso a perdu les élections. Kérékou a perdu les élections. Kaunda a perdu les élections. Kolingba a perdu les élections. Mais personne n'est allé en exil. Mobutu n'a pas encore perdu les élections. Pourquoi parlerait-on d'exil? Éminence et Excellence, ce ministre de la Défense que vous avez été voir a une mauvaise réputation auprès du peuple. Il a la réputation d'être tueur. Moi, je vous rapporte ici ma propre expérience. Le jour où on est venu attaquer certains de mes paroissiens, en tout cas le cas que j'ai vécu, arme au ventre, baïonnette à la gorge, c'était des commandos. Et le jour où, à la fin de la messe de 18h30, on est venu enlever le docteur Kinsala et la femme du docteur Kayembe, après la messe, j'étais présent, c'était des commandos, mais ils étaient en civil. Je crois, Éminence et Excellence, qu'on devrait éviter de recourir, en tout cas pour le moment, à ces agents d'ordre reconnus officiellement pour protéger le peuple, car le peuple répugne justement ces agents. Je voudrais me permettre d'attirer l'attention sur ce que moi je considère comme la racine du mal dont les manifestations auxquelles nous assistons maintenant ne sont que des conséquences, des émanations. Et cette racine du mal, que par pudeur, nous n'osons pas toujours appeler par son nom, par pudeur, par respect humain, par toutes sortes de raisons, nous n'osons pas épingler, dénoncer, c'est tout simplement le pouvoir autocratique qui est exercé dans notre pays, je dirais même pas depuis 25 ans, mais depuis un peu plus longtemps que cela. Le défi pour moi se situe au niveau essentiellement de notre manière à nous, Église, hiérarchique, institutionnelle, les abbés, les pères, et les évêques et les autres, conçoivent le pouvoir. Comment concevons-nous le pouvoir? N'est-ce pas de la même manière peut-être que celle que nous sommes en train de décrire? Je me pose la question. Mais Seigneur, le peuple n'a plus besoin de nos homélies. Le peuple en a marre. Et il a besoin que cette situation soit débloquée. Je vous remercie. Bon, nous allons
terminer notre réunion, je tiens d'abord à remercier tout le monde d'être venu à cette rencontre. L'abbé, au début, avait posé la question si nous devons dire si nous sommes pour le peuple ou contre le peuple. C'est une question, mais je crois que cette question, normalement, ne devrait pas se poser. Vous tous et vous toutes, et moi, nous aussi, ici, si nous sommes là, c'est pour le peuple. C'est pour le peuple. Et nous ne pouvons pas rester insensibles aux problèmes du peuple. Soyez certains, mes frères et sœurs, nous sommes tous là pour le peuple. Vous êtes tout près du peuple. Nous essayons aussi d'être tout près du peuple. Évêque, nous le sommes vraiment pour le peuple. Pour le peuple. Je vous remercie tous. La dictature continue. Ça continue, qui continue à nous tuer. Voilà ce qui s'est passé. Un jeune homme de 20 ans qui fêtait comme tous les Aïrois la fin d'un mandat de dictature. La fête s'est passée de minuit aux heures du matin. La fête était déjà terminée. Le long de la grande avenue, les gens se sont alignés pour voir si le mot d'ordre donné par le parti d'opposition a été respecté. Cet enfant se trouvait parmi ces enfants-là. Et à cause de ça, un militaire l'a appelé. De peur, parce qu'il a vu le militaire armé, il s'est retourné. L'enfant a voulu fuir. Et le militaire a tiré sur lui à bout portant, à sang-froid. Et ce militaire est là, il circule encore jusque maintenant. Et nous le voyons. Namokoli ansuke ya mutu moko na moko
Ndenge, Lelo, Otiki Mokili, Okosambisama. Olinga, Olinga te, Okosambisama. Oyonyoso ezali inventaire. Dangwana, Motuna, Ezakoya, na yo, tozale awa. Est-ce que Osalaka inventé? Comment dans la quantité? Après l'indépendance, a connu une période de troubles de 5 ans dans lequel il y a eu énormément de morts, énormément de destructions, énormément de monstruosités qui ont été commises. Et la population ne voulait pas qu'elle revienne. Le plus important, à mon avis, c'était une aspiration profonde de la population à la paix. Et cette aspiration, nous la retrouvons jusqu'à maintenant. On préfère même la non-violence, on préfère tout ce que vous voulez, plutôt que de verser le sang de l'homme. S'il le demande poliment, je ne peux pas refuser de parler à un compatriote, un Zaïrois. Mais être à Goma et dire je lui donne 3 jours, s'il ne répond pas, ce n'est pas mon genre, ce n'est pas ma nature, je ne peux pas répondre. Écoutez, mon cher monsieur, tout ce qui est arrivé, c'était parce que j'étais malade, vous le savez. J'étais sur mon lit de malade lorsque l'affaire a débuté. Donc, on m'a poignardé dans le dos pour que ce qui nous arrive, arrive. Voilà tout. Plus près, plus près. Voilà. Ça ne coûte pas. C'est bon. Attention, tu vas tomber derrière. Tu es là aussi? Mesdames, Messieurs, le gouvernement, la défense du territoire et celle de la restructuration de l'armée afin de permettre à l'opinion de cerner notre volonté
de réformer et de bâtir une armée nouvelle, républicaine. Le Premier ministre, chef de gouvernement. Bye, bye. My hopes, I still believe elections can decide, you know, and I said it in an interview in the local TV. I think the only the elections can bring an, you know, a different figure, a different face of the political arena in this country. Eight. Alors si c'est lui qui nous confirme ça, c'est une consolation, une satisfaction pour le peuple zaïrois. Je ne sais pas comment la population va accueillir la nouvelle, mais à mon niveau, ce soir, je vais prendre une bière à la rigolade, parce que c'est vraiment une grande joie, on attendait ce départ. Le chef de l'État a quitté Kinshasa vendredi matin pour se rendre à Badoulité où il réside généralement ainsi que tout le monde le sait. Des conséquences considérables pour la ville de Kinshasa, peuplée de 6 millions. Notre constitution institue pendant la période de transition un régime parlementaire. Le président règne mais ne gouverne pas, contrairement au régime présidentialiste de la Deuxième République défunte, dans lequel le président détenait seul le pouvoir exécutif. La République est vacante ou non ? J'ai pas d'autres commentaires à faire. Est-ce que Mgr Senghor va accepter ? Le président de la République ne peut ni transférer arbitrairement des pouvoirs à l'Alliance rebelle, ni lui transférer des pouvoirs qu'il n'a pas constitutionnellement. Les rebelles sont à 120 km de la capitale. Dans Kinshasa, c'est l'attente et l'inquiétude. D'après les agences de voyage, l'aéroport international est fermé. La dimension démocratique du projet de Laurent Désiré Kabila. Je dois aménager une porte de sortie honorable pour quelqu'un qui a plongé son peuple. Nous voulons liberté ! Il a peur des troupes de Kabila qui pourraient peut-être rentrer entre aujourd'hui ou demain dans la nuit. S'il se confirme que le président Mobutu est parti définitivement, c'est une bonne nouvelle parce que cela va empêcher le carnage qui était prévu à Kinshasa. Et nous pensons que le président Mobutu jouerait le meilleur rôle en procédant à sa démission immédiate pour permettre une transition tout à fait pacifique avec les forces du changement. Les 32 années ont été catastrophiques.
pour l'économie, sur le plan social également. Donc nous pensons que Kabila aujourd'hui est considéré comme le moindre mal. Et que c'est avec soulagement que le peuple zaïrois, dans son ensemble, je puis dire, attend l'arrivée de Kabila. Station de bonhomme. उनके साथ ये सारे मिले हुए हैं तो पाकिस्तान क्रिकेट का Jikaka. Ba pesa ka confiance na moto ya si a sali ba preuve. Yeso ki alaki to ye bia ko sala. Kamila salimu sala komu mbimba imuni.
kaka. Ye moto alongo lipoti na miso Congo. Ako pesa biselingi ya Congo Pe ako tombola bokita ya bana mboka. Ba opita intra moderne telemi na kini. Opita bis un conteneur. Il y a toujours une grande dame. Et là, Olive elle aimé. Ma maman y a sauté beauté. Kabila est première dame. Oh, Boto y a pas ma maman. Force mon aîné pour la moka. Belle est là. Hehehe